Good morning, Aliden, et sur aujourd'hui le Nishmat, Sharon Ben Fortune, Mazal Claude, Israq Ben Fortune, Mazal Marie, Myriam, Bad Julie, Lebet Berda et David Ben Rav Israq. Si vous souhaitez vous aider dans la prochaine étude de Mishnah, contactez la 5 minutes éternelle. Nous étions à Sarkuma, Perik Bet Mishnah, Bet Maase, Shayushnem, Shavin, Veratzin, Golin, Bakevesh. Et d'Achaf, Echad et Travero, Venafal, Venishbera, Raglo, Vekavan, Sharou, Bet Edin, Shaben, Lede, Sakana, et Kinu, Shalou, Yotor, Minatamis, Beach, et là, Bapaïs, Beze, Arba, Payaso, Tayusham, Beze, Apaïs, Avusham. On a, depuis le début de Maseret, on évolue chronologiquement en direction de Yom Kippour, de la Voda de Yom Kippour, le grand service qu'on va commencer à découvrir dans les prochains chapitres, longuement. Et on a commencé depuis 7 jours avant Yom Kippour, la veille de Kippour, le matin de Yom Kippour, l'après-midi qui se passait à Yom Kippour. Après, on a appris, en fin de du Perek Rishon, la nuit de Yom Kippour, on occupait le Kohen Gadol pour ne pas qu'il s'endorme, on lui parlait, il faisait des drachot de Divrei Torah, on parlait avec lui. Jusqu'à terrible le moment à commencer la voda en vue du jour. On n'est pas encore le jour, on est encore pendant la nuit. La première chose à faire, c'était la tourmate des chênes. Parmi les cendres du misbéach, qui était sur le misbéach, des membres brûlés de la veille, il fallait maintenant commencer à réorganiser le bûcher, les bûchers pour aujourd'hui. On apprendrait qu'il y en avait 2, 3, 4, 5. Il y aura plusieurs avis. Et donc, il fallait organiser le bûcher. Pour ça, il fallait prendre déjà toutes les cendres depuis la veille. Ce qui était à sortir, on le faisait sortir. Ce qui était à finir de brûler, on le mettait sur le tapouar au centre et on le finissait de brûler. Mais auparavant, il y avait tout d'abord le premier coup d'envoi, c'était faire un traumatogène, prendre un prélèvement un peu symbolique, où on ramassait une part de des cendres. La Mishnah précise qu'elle pouvait même avoir la taille d'un comète, d'une pincée de 3 qui rentre en 3 doigts. On le prenait et on pouvait prononcer une pelle, bien sûr. Et on le jetait à côté du Kevesh, il y avait là-bas un bête à des chaînes, un endroit où on jetait les choses, les cendres étaient englouties sur place, c'est un miracle qui était constant. Et après, il fallait prendre les Kohanim, sortaient toutes les braises, ils sortaient complètement à l'extérieur du Beth Amikdash au Makom Adashem. D'accord? On avait appris maintenant pour désigner qui allait faire la Tourmat Adashem. Alors, initialement, ce n'était pas une avoda tellement forte qui pouvait intéresser tout le monde. Donc, du coup, on dit, bon, celui qui est là, il l'a fait, s'il y en a deux, trois. Alors on leur propose de courir en direction de monter sur le Kevesh, le premier carré, oh, il a gagné. Et il y a en fait cette situation-là, ce système, a abouti à un petit peu de la violence. Deux cas de figure, un qui va être précisé dans la Mishnah, un autre dans la Gemara, on le dira ensuite à l'oral, et suite à ça, Chachamim ont décrété que c'est fini, on arrête la course, Carl Lewis, on le laisse pour les JO, et pour le moment, on revient, on va faire un tirage au sort beaucoup plus normal et serein. D'accord? C'est à peu près la Mishnah. Regardez. Maase Shayushnem Shavin. Il y a eu une fois, un épisode où les deux étaient ex aequo. Ils couraient ensemble. Ils couraient en parallèle à la même vitesse. Veratzin, Veolin, Bakevesh. Ils couraient, ils montaient sur le Kevesh. Jusqu'à qu'il y en a un qui a vu que l'autre, il était trop, il le collait trop. Vedachaf! Et l'un a poussé son ami, Venafal, et l'autre il est tombé. Alors je ne sais pas s'il est tombé depuis la hauteur du Kevesh qui était très haut. Le Kevesh, il faut bien réaliser, il démarre depuis le sol, il monte jusqu'à 9 amas de hauteur, puisque le Mesbar c'est 10 amas, 5 mètres. Lui il monte jusqu'à 9 amas parce qu'il y avait des coins, donc ça fait 4 mètres et demi. En tout cas, il a poussé, je ne sais pas s'il est tombé ou s'il est juste tombé sur place, ou il a roulé. En tout cas, il s'est cassé les pieds. Un pied. Et alors quoi? Kevan, Sharou, Bet Din, Shebaïn, et Tessekana, et lorsqu'ils ont constaté le Bedin que c'est beau de proposer cette course le premier qui arrive, ça montre plein d'entrain pour la mitzvah, ça a du positif, mais si ça commence à devenir dangereux, alors non, ça vaut plus le coup. Itkinu Sheloyu Tormin et Tamizbeach à la Bapaïs. Ils ont du coup décrété que désormais la tourmate à Mizbeach, la tourmate à Deschen, levait les cendres du Mizbeach, eh bien ça ne pouvait se faire que Bapaïs avec un tirage au sort. Verba Payasot, la Mishnah continue à me raconter. Arba Payasot Ayusham, sache qu'il y avait dans la matinée du Korban Tamid, il y avait 4 Payasot, on faisait 4 fois un tirage au sort. Les A Payas Arishon, et celui-ci c'est le premier Payas, le premier tirage au sort pour désigner qui allait faire la tourmate des chênes. On apprendra bien sûr tous les 4 tirages au sort qu'il y avait ensuite. Quelques petites remarques. D'abord, la Gemara raconte aussi qu'il y avait aussi une autre histoire, peut-être ce qui s'est passé. C'est qu'ils étaient tous les deux en train de courir, et puis il y en a un qui a sorti un couteau et qui a planté l'autre. Dans le cœur en plus. Et la Mishnah, donc il en est mort, et toute une histoire. Et la Gemara nous explique que ce premier incident de celui qui a planté le couteau, ça s'est passé au début. Ramenons cet accident, ils ont dit, bon, il y avait un excité un peu trop.
Mais lorsqu'il y a eu ensuite cette deuxième histoire, que maintenant, quand même, on remarquait que dans le feu de l'action, l'entrain et l'excès de zèle et tout ça, ça l'a poussé jusqu'à même devenir vraiment violent, au point où ça, donc, ça commençait à devenir beaucoup plus fréquent. Et Khachamim ont conclu que c'était pas la manière de procéder, ça allait devenir trop dangereux. D'accord? Par rapport aux quatre païs, le Barthénoï nous propose quelque chose de très joli. C'est qu'en l'état, on aurait pu faire avec un seul tirage au sort, on invite le Kohanim, on fait un tirage au sort, on tire dans l'ordre, comme on apprendra plus dans les détails, qu'à partir du moment où on désigne un, on lui dit, bon, il y a à peu près 25 rôles à jouer, prenez-vous les 25 comme ça dans cet ordre. La Mishnah nous dit que non, il fallait faire quatre païs. Le Barthénoï explique la raison. Parce que plus on va faire du païs, plus on va partir faire des tirages au sort pour faire la voda, plus ça donne plus de valeur et d'importance à la mitzvah qu'on va aller faire. C'est comme si, je sais pas, moi, regardez la synagogue, quand on commence à vendre des mitzvot, s'il y a des gens qui achètent, bien sûr, pas toujours ça marche, mais en tout cas, lorsqu'on commence à vendre des mitzvot, d'un coup, les gens ils commencent à mieux réaliser que, waouh, toi t'es monté shlichi, moi je suis monté shvi, lui il est monté maftir, ça donne beaucoup plus de kavod aux mitzvot, d'accord? Même principe. Ici aussi, il fallait pour 4 à 4 reprises, on invitait tout le Kohanim, on a fait la première série des Avodot, on dit au Kohanim, allez revenez, on va faire le deuxième tirage. Et tout le monde revient, on commence à dire, ouais, j'espère que ça va tomber sur moi. Et finalement, ça tombe sur l'autre, il est content. Hein. Et puis, après, on rappelle une troisième fois tout le monde. Le fait de recommencer comme ça les 4 païs sautent, les 4 tirages au sort, ça donne plus donc plus d'importance à la Avodot du Beth Amikdash. Bebet Elokim Nehalech Beregesh, le passage qui dit, dans la maison d'Hachem, on ira avec. Il traque juste avec enthousiasme. D'accord? C'est tout pour aujourd'hui. Je vous souhaite une journée pleine d'Hatzlacha Kol Tov. Salam.